Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, je n'en vois pas beaucoup, il y a urgence. Notre planète se réchauffe, la biodiversité s'érode, partout la pollution prend le pas sur le vivant. Sommes-nous à l'aube d'un moment historique ? Ou pas ? Les 3 semaines à venir sont notre dernière opportunité, soyons clairs, de faire progresser l'écologie en rehaussant nos ambitions en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, de renforcement de notre résilience. Comment se souviendra-t-on de nous ? Ceux qui ont osé, en assumant pleinement les pouvoirs confiés par les citoyens, en refusant de nous soumettre aux injonctions, de nous contenter de déclarations de bonnes intentions. Redonnons de la splendeur au pouvoir législatif que nous incarnons. Serons-nous de ceux qui se résignent à de belles paroles ou de ceux qui agissent ? Ceux qui redonnent espoir et confiance en la parole des élus ou de ceux qui déçoivent encore et creusent un peu plus le fossé qui sépare élus et citoyens ? Pourrons-nous dire à nos enfants « Nous avons fait de notre mieux pour vous, pour votre avenir ». Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, avec ce texte, de porter à minima les propositions de la Convention citoyenne. Mais le mieux ne serait-il pas d'aller encore plus loin et d'être encore plus exigeant ? De sécheresse en inondation, tempêtes, épisodes climatiques extrêmes, les Français constatent jour après jour l'ampleur du dérèglement climatique. Et même les plus sceptiques, demain, demanderont des comptes. Hier, à Hazebrouck, à Lille, partout en France, jeunes et moins jeunes, marchaient pour le climat, pour nous demander d'agir et de ne plus reculer. Le projet de loi Climat et résilience devait porter cette ambition, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moins 40% d'ici à 2030, afin de garder notre planète habitable. Ambition louable, mais les mesures sont-elles à la hauteur ? J'en doute. Les différentes études d'impact sur la politique environnementale du gouvernement ne sont pas de nature à rassurer. Le Haut Conseil pour le climat estime qu'avec une adoption en l'état, nous accomplirons seulement la moitié des efforts nécessaires. Les membres de la Convention citoyenne, évidemment déçus, se sont également montrés critiques. Avec une note générale de 3,3 sur 10, ça sent le recalage, que ce soit en juin ou à l'automne. Alors, parcourons ensemble le chemin restant dans les mesures prévues, dans la bienveillance et l'écoute, et non le mépris, l'arrogance et l'autosatisfaction, comme parfois cet après-midi. Nous ressortons, pour beaucoup échaudés, de l'examen en commission spéciale. Vous prétendez que nous n'avons pas de propositions. Mais beaucoup, trop de nos propositions pour remettre le climat au cœur de notre projet national ont été déclarées irrecevables. Cela interroge près de 1 000 amendements considérés comme cavaliers législatifs, alors qu'une grande majorité présentait un lien, même indirect, avec le texte. Quant aux amendements qui, selon leurs auteurs ou l'appartenance politique, sont passés ou pas par la censure, c'est encore un autre sujet. En commission, en discussion, ceux qui sont passés ont été écartés, même s'ils étaient de bon sens. Alors faut-il appartenir à la majorité pour pouvoir légiférer ? Après la commission, le texte reste à peu près le même. Mon collègue François-Michel Lambert a évoqué les écueils et les insuffisances. Pour ma part, je voudrais ajouter à cette longue liste le manque de vision globale sur ce qu'est le développement durable. À trop se concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre, il semble que vous en ayez oublié la protection de la biodiversité. Pourtant, tout est lié. L'agenda 2030 exposé sur les grilles en janvier dernier nous le rappelle. Certes, l'article 19 inscrit dans le Code de l'environnement l'importance de la préservation et la restauration des milieux naturels aquatiques. L'article 56 traite de la stratégie nationale des aires protégées, mais il relève avant tout de grands principes et de l'incantatoire. La forêt française, qui absorbe pourtant chaque année près de 20% des émissions nationales de CO2, est-elle aux abonnées absentes ? Pourtant, les citoyens comme les députés avaient fait des propositions intéressantes, qu'il s'agisse des coupes rases, de minimiser la replantation des résineux ou de veiller au mélange des variétés. Je regrette en outre le recours important aux ordonnances, et d'autant plus sur des sujets clés. Je souhaite évoquer la réforme du code minier.
issu d'un ancien bassin minier, le Valenciennois. Ancienne rapporteure pour avis sur la question de l'après-mine, je sais les enjeux sociaux, environnementaux, stratégiques qu'emportent avec eux ces projets. J'aurais souhaité en débattre au-delà de simples habilitations à légiférer par ordonnance, au-delà des 3 articles ajoutés en commission. La place conséquente laissée au décret sur un sujet tel que l'artificialisation m'interroge également. La définition posée par le texte, nous l'avons vu en commission, est déjà contestée et elle devra être précisée par le pouvoir réglementaire sans perspective satisfaisante à ce jour sur ses contours. Comprenez mes réticences. Les dispositions législatives votées au cours de ce quinquennat ont trop souvent été contournées. Derrière les discours et les éléments de langage, je vais prendre un exemple très concret. La loi Egalim prévoyait à compter de 2022 50% des produits servis dans la restauration collective, bio ou durable. Depuis un arrêté du 25 janvier 2021, la charte EVA a obtenu la certification environnementale de niveau 2 par le ministère de l'Agriculture. Cette charte, c'est un socle minimum qui comporte de nombreuses limites. Pas de critères environnementaux, rien sur la provenance des aliments, aucun critère de bien-être animal. Donc en bref, tous les élevages intensifs de poulets peuvent être désormais bénéficier d'un accès protégé au marché de la restauration collective de qualité, en se targuant d'être durable. Sur le terrain, concrètement, c'est l'autorisation dans ma circonscription d'un premier projet d'élevage industriel de 117 000 poulets à Steinwerck, et ce malgré l'opposition de 91% de la population. Évidemment, elle se sent flouée, et je leur renouvelle mon soutien. Alors, mettons fin au slogan pour concrétiser enfin à l'échelle nationale l'ambition portée avec tant de vigueur par le président de la République au niveau européen. Peut-être, qui sait, à l'issue de l'examen de ce texte, nous arriverons à répondre à l'objectif de la Commission européenne de réduction de 55% d'ici 2030. Nous sommes députés, élus, adultes et responsables devant la nation. Chacun de nos votes, chacune de nos décisions nous engage. Faisons en sorte d'en être fiers.